and the machines are out of control. Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Courses such as Coconut Mall, Choco Mountain, and Tokyo Blur will be included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and online. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass will launch March 18th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership, or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. C'est parti, hop hop, à la Pokémon, avec le trailer. Et bonjour, directement le jeu, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver en ce 22 novembre 2022. Il est 8h07, bien sûr comme hier. Du Pokémon, je vais continuer l'aventure, ça y est, j'ai le premier badge. Le badge insecte, je vais voir, peut-être je vais faire de l'ouest au nord, et après je vais finir par l'est. Je vais voir. Déjà là, je suis, on va dire, au sud-ouest.
Là, j'ai le badge psy qui m'atteint, mais d'abord je vais faire les Pokémon dominants. Bien sûr. Donc, vas-y. Voilà, le jeu. On y va tranquille ce matin. Doucement, mais sûrement. Alors, hop. Alors ça. Voilà. Alors allez-y, installez-vous. Prenez place. Il va y avoir des captures. Des Pokémon sauvages. Il va tout avoir en fait. Il va tout avoir. Ah. Pourquoi c'est comme ça en fait? Il me met là. Je suis là, moi. Voilà, là c'est l'académie. Pourquoi il me met là, ce con? Qu'est-ce qu'il y a là? Ok. Team Poison. Badge. Team Poison. Ça, c'est le badge de glace, voix du maître. Ah non, ça c'est les méchants, ça. Et non, badge Team Poison. Objectif Stardust. Ok. Donc là. Ah, il y a un raid. Ouah, tous les raids qu'il y a. Voilà, là j'y suis presque. Un raid, t'as un raid là, raté. Oh putain, Magikarp. Magikarp, t'as compris. Ah, Mochi Mochi. Ah, la papier. Alors, salut. Alors, le dominant, vaste ciel, se trouve quelque part dans cette montagne. Mais ça va pas être facile de le trouver. Tous ces rochers qui tombent. On n'aime pas le risque de t'envoyer. Ouais. Et de mourir. C'est Spectre, ça? Alors changer de Pokémon Spectre, donc il faut du psy, il faut des ténèbres. Morsure, hein. Moi j'ai que ça. Mot de passe 1949? Ok, allez, annule. À plusieurs. Ah! Putain, Magikarp. Je peux pas attaquer. Voilà, parfait. Voilà, 21. Balgren.
Voilà, Cassidy a pris un Balgren. Allez, Zénith. Alors, à plusieurs. Allez, je change de Pokémon. Donc, c'était ça, en fait. Allez, je valide. Me demande un mot de passe, moi je... Parce que je suis hors ligne. Comme un con. Pas vu. Bon, allez. Et même si ça, à chaque fois, il faut se connecter. Il est spectre, lui? Non! Ce n'est pas très efficace. Tu m'envoies navré. Ah non, c'est ténèbres! Que je raconte? Je l'ai vu. Comment on fait? Si à chaque fois il faut se connecter comme ça, c'est un truc de merde en fait. Voilà, mode en ligne. Dragofeu. Attraper Dragofeu. Un insigne surpuissant. Elle est où? Du 2 au 4 décembre. Puis du 16 au 18 décembre. Ce Pokémon n'est normalement pas présent à Alpaldea. Ça m'en dirait qu'il est méga, méga évolué, quoi. Comment on fait pour décembre? Et les évolis, c'est quand? Du 25 novembre, pas encore, au 27 novembre. Mais ça dure pas beaucoup, ces merdes. Évoli, normalement, il n'est pas présent dans le jeu. Mais il est présent. Voilà, donc là, je suis en ligne. Alors. Ok.
Ah, 8 le max. Cool. Donc il me semblait que j'avais... Voilà, qu'il y avait des dresseurs que j'avais pas fait. Allez, cowboy. Viens te battre. Non, c'est une indienne. Une indienne d'Amérique. Ah, oh, on voit le sol et tout. Qu'est-ce qu'elle fout en Espagne? Va savoir. Allez, charge. Ça fait mal. Il pleut des pièces. Putain, ça serait bien vrai. Coup critique. Oh, mais tu es surpuissant. Hein. Dis-moi, Magikarp. Miaous. Trop stylé les musiques. Malgraine. Allez, un dernier. Cool. Trois fois. C'est vrai que j'ai un Miaous aussi, voilà, niveau 16. Voilà. 1500. Il est riche. Je sais qu'il y avait des dresseurs que... Ah, là, attends. Je vais faire un carnage. Allez, on y va. Ah, putain, je l'ai... Tellement petit que je l'ai pas vu. Pimito. Cool. Non, reviens par là. Allez, non, c'est pas ça. Il semblait que j'avais pas fait une dresseur hier. Quand je suis monté là. Tiens, l'insecte. Allez. Essayez de le capturer. Niveau 14. Charge! Étonnement. Il est encore plus faible que moi. Charge! Paf! Double pied. Il est insecte. Donc, normalement, les plantes, ils craignent pas. Allez, let's go. L'énergie. La défense. Double pied. Oh, il fait mal son double pied, mine de rien. Petit... Une charge. J'aurais dû faire éclair. Non, même pas. Ah oui, parce qu'il me fait grincement aussi, c'est normal. Vas-y, charge-moi ça. Voilà, parfait. Voilà, il peut pas attaquer. Allez, Pokéball. Hop. Oh.
Oh, critique! Quoi, capture critique? Allez, ghetto d'Azé. Ah merde, je l'avais déjà? Ok. Alors, ça je m'en fous. Voilà. Donc à bientôt. Ah, j'ai déjà commencé la deuxième boîte. J'en ai deux, niveau 15, niveau 14. Bon, puisque j'y suis. On va voir ce qu'on va me donner. BBQ. Les gens, ils ont de ces pseudos. Waouh, le sein. C'est une japonaise. Ouais, vigorote. Déjà ? N'empêche, comme ça, je me remplis le Pokédex. C'est même pas le sien aussi. Oh, ça va vite. Là, les Japonais sont en forme. Sûr que c'est encore un autre Japonais. Ah non. À Kanto. Le dernier. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce que c'est?
C'est quoi ça? Bibi chute. Ok. Connais pas. Bon. Voilà, ça c'est bon. Allez, me manquait un dresseur. Totalement, il me manquait un dresseur. Oh putain, il peut pas sauter. Ah. Je savais qu'il y avait un dresseur. Ah, une dresseuse. Ah non, c'était un mec! Autant pour moi, frère. Allez, charge! Parasport! Me suis fait avoir! Les Brésiliens! Voilà, c'est ce qu'on veut, Corarda. Paf. Il perd que dalle. Si, si, nous, qu'on perd la moitié. Va savoir. Allez, Flamèche. Mais non. On va manger KO. Voilà, 840 Pokédollars. Pokédex a été mis à jour. Est-ce que je peux aller là-bas? Non. L'eau fraîche. Allez, l'énergie. Oh putain. C'est quoi ça? Ah putain, merde, c'est l'insecte. Ah ok, c'est un machin. Bon. Là normalement j'ai eu tous les dresseurs.
Ça, c'est la horde, ça. Ah. Je crois que je vais me prendre plutôt lui, le mien. Hein. Parce que un autre, en fait, ça me fait chier. Croissance. Voilà, hop, allez. Quand j'éclaire moi ça. Il fait mal, ça elle fait mal en fait sa morsure. Vas-y, charge. Croissance. L'attaque. Ah. Et l'attaque spéciale. Ok. Allez, c'est bon, feuillage. Ouh, ça fait mal. De croissance comme ça. Capture critique. Voilà. Allez, Pimito dans l'équipe. Voilà, 16, 16, 16, 19. Donphan, je l'ai capturé. C'est parti. Voilà ça. Oh, il tombe. Il fait tomber quoi lui en haut? Ok. Ah, un pique-nique. Ok, un bon pique-nique. Ok, il m'a donné tout ça. Jambon cru, fromage. Tortilla. Ok, donc c'est vrai qu'il y a... T'as les soins. Putain. Ah, oh, je l'avais pas vu, lui. Qu'est-ce que tu fais là? Ok, destruction. Dix-sept. On regarde l'étudiant. Mais tiens fou, c'est un oncle vieux de 150 ans.
Liliterelle, c'est la sauterelle. Hey! Une Pokéball, c'est gratis. Voilà. Est-ce que ce genre de soin redonne la terraformation? C'est lui là, qu'est-ce qu'il balance? Ok, on arrive dans du sable. Je suis où en fait? Dans la carte. Ok, j'y arrive. Ah ben c'est lui en fait. C'est lui qui balance tout ça. Après, comment je fais pour monter? Chez Spectrum! Allez, une CT. Coup de main. Hey! Hey! Vas-y, charge! Paf! Taillade! Charge! Coup critique? Non. Paf! Racine. Ah, ça, c'est la merde. Ça redonne des vies. Feu follet. Allez, flamèche. Mais la morsure! Ok. Allez, on s'occupe de tout ça! Voilà! Vas-y, attaque! C'est trop bon! Donc le Pokémon dominant, il est là-bas. Allez, allons voir dominant. Par contre, il me faut pas... Comment ça s'appelle? Magikarp en premier. Allez, hop, l'énergie.
Ça me fait penser à la montagne de la mort dans Zelda 64. Ocarina of Time. Oh, comme ça. Ouf, c'est pas des rochers, ça. C'est des balles de baise. C'est des balles qui rebondissent, en fait. Un rocher qui rebondit comme ça. Voilà, le Pokémon dominant. Wouah, qu'est-ce qu'il est gros. Cruel. Je sais pas quel niveau il est par contre. C'est bien. Picor. Allez, hop. Je vais l'essayer. Cristallisation. Coup critique. Quoi? Ah. Il plante. Mange quelque chose. Ah, papier. Tu as réussi à atteindre le dominant, ouais. Le voilà. Attends, c'est lui qui balançait. Ouais, c'est ça. C'est ouf, ouais. Non, que t'étais là pour attirer son attention. Ça m'a permis de venir sans me prendre un rocher. Ok. On dirait qu'il tente de booster sa puissance. Deuxième round ? Non. Par contre, j'ai plus de... Ah, ok, allez, cristallisation. Ok. Rocher sur la tranche, let's go. Voilà, paralysé. Paf! Cruel! Ouf! Super efficace! On peut le capturer? Non. Allez, éclair! Je peux pas utiliser même que j'ai deux fois de suite. Putain, mais c'est la merde la cristallisation en fait, hein. Voilà. Premier Pokémon dominant, let's go. Niveau 17. Bélier.
40 et bélier, ça a combien? 80. Ah ouais, 90. Allez, hop, charge, tu vires. Zénith. Non, pas de zénith. Pas de zénith. Allez, le premier Pokémon dominant. Elle est excellente. On n'attendra plus parler de ce fichu rocher. Ok. Il va prendre ses épices. Voilà. Ouais, mais, mon équipe, elle est défoncée, quoi. Fais gaffe, il se fait sombre ici. Ah, des Pokémon de type roche. Nosferapti, il peut avoir. Ah. Tiens, cette texture verte, c'est dégueulasse. Piscrest amer. Excellent. Ok. Voyons voir. Les piscrest amer aident le sang. Oh, ok, il va me dire. Ça booste la défense. Donc, ok, c'est pour la défense spéciale. Je vais préparer ça tout de suite. Hey! C'est prêt. Le sandwich à la papier au bon goût d'épices. Allez, tiens, prends ça aussi. Facilité d'avoir battu. Félicité. Okay. Réplique quoi? C'est une réplique du badge d'arène. Peut modifier le design. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah ouais, pour lui aussi. Hop. Trop cool. Ah ouais, lui il aura ses propres badges. Ah, on bouffe! Mais non! Ah ben non, il va nous prendre notre sandwich. Mais celui-là. Est-ce qu'il va bouffer? Sniff, sniff, il pleure. Bah les pattes, c'est pas pour toi. Voulez-vous donner votre... Ah bah oui. Dans ton savez. C'était pour toi. Ouais mais ça augmente. Nous on a... On s'en fout nous. C'est les Pokémon. Voilà, il va pouvoir voler ou nager avec ça. C'était le dernier en plus. Pas grave. Mais non! Ah! Ben non, ok, ça c'est pour moi. Voilà! Pourquoi? Après la capacité surf! C'est cool! On dirait qu'il a gagné. Ouais, un nouveau pouvoir. C'est pour ça que j'ai donné à bouffer. Ah, donc tous les Pokémon dominants, quand on va les battre, il va pouvoir surfer, voler, faire la roche, peut-être escalader. Ah, ça, ça va être cool. Ouais. Je pensais pas que c'était aussi efficace. Faire du bien, ouais. Faire du bien à ta chasse au trésor. Ça, ouais.
Bref, c'est bien régalé avec ces sandwichs. Maintenant, faut tout ranger. Ok. Ouais, bien sûr. Ça y est, je peux faire surf. Salut. Ah. C'est bon, il est parti. Tu peux sortir. Haha. Un Pokémon? Ici, All-in. Retrouver l'un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais, ouais, surfer à la surface de l'eau. Forme monture. Ok. La capacité monture surf vous permet de vous déplacer sur l'eau. Quand vous êtes en train de surfer, appuyez sur V pour faire un saut. Ok. Explorer la vaste région. Ouais. Ok. Je compte sur toi, ouais, t'en fais pas. Ah, c'est stylé, n'empêche. Voilà, le mode photo. Comment on fait pour prendre la photo en fait? Non? Comment tu fais pour prendre la photo, putain? Y. Je laisse un peu, voilà. Hop. C'est ça qu'il faut faire. Hein. Donc maintenant, vas-y. La carte. Maintenant, je peux faire surf. Je peux... Voilà, le badge. De... Ça aussi, c'est fait. Et donc, je vais aller là. D'abord au centre Pokémon. Paf! Trop stylé. C'est trop stylé, mais c'est de la merde. Allez, c'est quoi comme c'est... Ah putain, j'ai pas vu, c'est allé trop vite. Oh! Tiens l'autre. Magikarp qui en peut plus. Bon, il m'a attaqué. Je crois que ça, c'est que la femelle ou le mâle qui évolue.
Trop bien fait, Aquajet. C'est super efficace. Allez, Pokéball. Quoi? Voilà, allez, tu es paralysé. Pokéball! Capture-toi! Ok, toi, tu es de type légendaire, en fait. Super Ball! Ok. La Pokéball, il voulait pas. Dix-huit Magikarp. Bargantua. Il voulait en quoi, lui, déjà, Bargantua? En rien. Oh, putain. Non mais il faut aller les défoncer là les Pokémon de type aquatique. Bon, il veut pas. Allez, un pique-nique. Oh, attends. Psychoquack, fous le camp. Voilà. Allez, vas-y. Voilà, parfait, 21. Alors, il est où le raid de glace? Alors, le raid de glace, il est... Allez, il est plus haut. Par là. Ah, une CT. Griffacier. Cool. Alors, changer de Pokémon. À plusieurs. Voilà, parce que tout à l'heure je pouvais pas parce que j'étais en mode hors ligne.
Ah, il s'est barré. Je veux que je te dise. Quoi, tu es en orange, toi? Ah, ok. Mais pourquoi tu te barres? Bon, vas-y, je le commence. Je m'en fous. Bien sûr, la charge, c'est sur moi. Je le mets KO, mais il continue d'attaquer. C'est super cool. Ah putain, la Super Bowl. Voilà, capture critique. Donc allez, il faut que je descende. Rappel. Y a quoi là? Allez! Oh putain! Qu'est-ce que c'est? Un sinistre pieu? Une couleur noire est plantée dans le sol. Voulez-vous l'extraire? Oui. Le pieu s'est complètement désagrégé quand il a été... On peut pas le capturer ce truc? Ah. Okay. Ça fait deux fois que ce Pokémon, je le vois. Protéine.
Potion max. Allez, vas-y, défonce-les. C'est trop bon, ça. Vas-y, attaque. Oui, vas-y, file la sauterelle. Tac. Parfait. Oh. Le combat. Aéropique, je sens que je vais le défoncer. Vas-y, vive attaque. Il brûle. Putain. Allez, Pokéball. 1, 2, 3, vas-y. Allez, ghetto d'Azé. Tac, Makuhita. T'as vu le Pokémon Cell là, il est où? Non. Il y avait le Pokémon de type sel. Putain. Il a disparu. Osrar. Ça c'est bon. Ça. Toi t'es trop petit. Ferro-singe. Que dalle. Bon, allez, il est parti. Ah, Diplo. Ouais, non, franchement, il est sympa le jeu. Franchement, ouais. Mais tu fais ça. Tu fais ça, il attaque tout seul. Trop bon. Si c'est les Pokémon. Mais voilà, 21. Si c'est les Pokémon, voilà, qui craignent en un coup. Il ramasse des choses. Ah, trop bon. Putain. Non, franchement, ouais, franchement, il est sympa. Ouais. Tac, allez, le saut de la foi. Tac. Franchement, ça change des anciennes versions. Hein. Les versions, on va dire, type couloir. Trop bien ce système. Ouais, c'est ça. Faut les faire. Ah, c'est une autre méthode. Hein. Méthode de flip. En plus, voilà, il y avait un objet. Il a ramassé l'objet. Mais bon, on gagne moins de d'XP quand même. Mais c'est vrai que, ouais, système de flemme. Épée bouclier était pas du tout... Ah, je sais pas, moi je l'ai pas fait, épée bouclier. Moi j'ai un peu vu des lives. Pour ça, tu aurais dû tester même les Gigamax. En fait, les Gigamax, ça me hypait pas. Mais là, par contre, la terra cristallisation, oui. Ça, par contre, ouais. Le plus con, par contre, là où c'est chiant, c'est qu'à chaque fois que tu fais une... on va dire, une attaque terra cristal, il faut aller au centre Pokémon
pour les soigner et surtout recharger. Et en plus, tu peux pas attaquer deux fois avec la même attaque. C'est putain. Ils te font des systèmes cool, mais ils te contrent avec des contraintes. C'est un truc de fou ce qu'ils font. Normalement, il faut que. Bon, je peux pas. Juste 3 tours en combat. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Les Gigamax, ouais, c'était 3 tours. Là, je pense que c'est, on va dire. C'est comme la Giga Evolution. Tant que le Pokémon, il est en combat. Tu peux, mais... La méga, juste à la fin du combat, l'attaque Z, une fois par... C'est ça, ouais. Franchement, c'était mieux la méga évolution, par contre. Aucune contrainte, rien. Ben, allez, tu vas voir. Il n'y a que ça. Alors, fais voir. Vas-y. On va voir si c'est effectivement ça. Donc, allez, hop. Voilà, Terra Crystal. Tu vas voir. Hop. Donc tu vois, j'ai utilisé Flamèche. Ah non, et là il peut. Ah, j'ai rien compris alors. À moins que c'était par rapport au Pokémon dominant. Donc là non, alors donc là on peut utiliser là. Ok, plusieurs fois l'attaque. Et là maintenant, normalement. Il y avait marqué, il faut recharger. Voilà, tu vois, je peux plus utiliser la Terra. Je peux plus. Déjà pour lui. Je vais changer de Pokémon. Je vais prendre par exemple... Vas-y, toi. Parce que toi, tu es sol. Voilà, tu vois. Même si je change de Pokémon, il peut plus Terra. Je pense que tu dois avoir une attaque spéciale à faire avec ce mode. Non, parce qu'en fait, les attaques, on peut en faire plein. Sauf que comme j'étais contre un Pokémon dominant, c'était, je crois, attaque par attaque. Mais tu vois, là, là, par contre, je peux plus. Il faut que j'aille recharger la Terra au centre Pokémon. Allez, il m'a la défoncé. Et tu le vois en plus au centre Pokémon. Tu vas voir. Quand je vais me soigner. Tu vas voir. Tu vas avoir des espèces de particules blanches qui vont venir sur le perso. Tu vas voir, à la fin de ça. Voilà, tu vois. J'en ai profité pour recharger votre orbe. A bientôt. Voilà, hop. Terra truc, chargé. Un par combat, il faut aller au centre Pokémon. Ça, par contre, c'est... Ça, c'est... C'est vraiment... Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, en fait. Ils font toujours des restrictions comme ça avec leur jeu. C'est un truc de fou. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, c'est...
Ma foi, tu l'as, donc fais-le... pas infi... Ouais, infini, quoi. À chaque fois pour aller au centre... Voilà. En fait, ça va tellement devenir chiant que personne va l'utiliser, en fait. Pourtant, le système, il est bien. Mais, voilà, là, il y a un raid. On va voir. Je sais pas pourquoi ils font toujours des restrictions comme ça dans leur jeu. Capacité Z. Gigamax. Ça, maintenant. Bon, là, les dresseurs, je les ferai plus tard. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu as plein d'objets. Voilà, tu trouves plein de choses. Ça, c'est cool, ça. Alors ça, c'est de quel type? Il laisse le système... Ouais, c'est ça, ouais. Il le laisse. Et bientôt... Ah, attends. Il va avoir un drague au feu. Bientôt, il va avoir un drague au feu en raid. Allez, mort sur moi, ça. Ah putain, il est roche, c'est vrai. Par contre, dans les raids, Terra, on peut pas l'utiliser. Dire que ce jeu est fait sur la même base, c'est ça, ouais. C'est entre la même base d'épée bouclier et de Pokémon Arceus, légende. Mais si on va là. Voilà. C'est pas ça. Je crois que c'est là. Non. C'est quoi ça? C'est pas ça. Ah ok, ça c'est pour les chercher. Ok. Club Union. Ta notification. Voilà. Mais tu vois là? Bientôt, il va y avoir un drague au feu en raid. Du 2 au 4 décembre et du 16 au 18. Voilà ça. Il y aura aussi des Evoli. Ça, c'est en novembre. Voilà, du 25 au 27. Par contre, la zone, je sais pas où c'est. On va voir. On est le 22. Donc, dans 3 jours. Et ça, c'est le cadeau mystère. Comme j'ai... Voilà, de Pikachu. De type vol. Alors, la carte. C'est un raid de type... Putain, je le vois pas. Oh! Mais regarde-moi ce qu'il y a là. Putain! Ah ouais! Ils sont là? Bon, ça doit être quoi? Type normal, non? Ça, c'est normal ou roche comme type? Avec le roule... Ils ont fait exactement la même chose avec épée. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, plante. Ok, c'est plante. Allez, mon starter. Mais, lui, on dirait pas... Hein. Comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle, là. Le mec avec le gros chapeau, là. Espèce de chapeau... Ou c'est brésilien ou mexicain. Tu vois, il ressemble un peu, lui. Avec sa coupe. Je sais pas comment il s'appelle. Alors, partie à plusieurs. Dans tout le monde. Je dis que... Ouais. Ouais, ouais c'est ça, ouais. Donc là, allez, préparer. Par contre, sa troisième forme, je me demande à quoi ça va ressembler. Non, franchement, le jeu est bien, mais qu'est-ce qu'il y a comme restriction? Et par rapport à la monture, ils ont pris à peu près pareil que Pokémon Arceus. C'est-à-dire que dans Pokémon Arceus, on avait des montures différentes.
On avait Guiriagle pour le vol. On avait un nouveau Pokémon pour l'eau, pour le surf. Farfuré ou l'autre, c'était pour grimper. Que là, c'est le Pokémon légendaire, il va tout avoir. Le Pokémon légendaire, lui, c'est, il va tout avoir les pack. Là, ça y est, il peut courir, il peut faire surf. Ouais, ça, ouais. Mais pour qu'il y ait ses capacités, il faut combattre les Pokémon dominants. En fait. Et c'est de là qu'il apprend les capacités surf, tout ça, vol. L'histoire, c'est pas mal quand même. Elle a l'air pas mal, l'histoire. Allez, c'est parti. Let's go. Ah, c'est une masse. C'est Kratos bientôt. Du coup, j'ai rendez-vous pour... Ah, ok. Ah, déjà capturé. Je vais me préparer. Ouais, je reviens. Ouais, je serai encore là. Je finis vers midi. Ok, ouais. Putain, ça c'est con quand on perd les lunettes. Ouais, franchement, les raids, ouais. Ça joue vite. C'est pas mal. Voilà, capture critique. Je crois que je l'avais pas, lui. Et c'est comme, je crois, dans Pokémon Épée Bouclier, on gagnait des trucs comme ça, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Et maintenant aussi... Ah, plante dragon! Ah, ok, plante dragon. Ouais, tu as du butin en fonction du raid. Ah, le nombre d'étoiles, ok, ouais. Comme ce sont mes premiers raids, donc que j'ai pas fait épée bouclier. Là aussi, j'apprends des choses. Donc là, t'as Greek Note. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Allez, Magikarp. Au combat. Hier, j'ai fait un coup de bluff. Dans un raid, j'ai mis Magikarp. Putain. Bon, c'est moi que les autres, ils avaient de bons Pokémon. Ils l'ont mis KO presque en un coup, en un tour. Putain. C'est trop bon, ça. Donc, lui, il doit être poison. Qu'est-ce que je peux mettre? Bon, allez, ça. Et comment ça marche pour avoir plusieurs étoiles dans les raids? C'est le nombre de tours? C'est le nombre... C'est l'attaque? Là, je sais pas comment ça se passe pour les raids. Nitro charge. Allez, Flamèche. Éclair. Ah merde. Aéropic. N'est pas très efficace. Putain, double défense. Il est éclair. Tu avances dans l'histoire, la rareté du Pokémon. D'accord, ouais. Ouais, donc par exemple, le Dragofeu en raid Terra, là on va bien gagner en fait en loot. Allez, morsure.
pistolet à eau. Ouais, c'est ça. Allez, feuilles magiques. Putain, ils craignent que dalle. Le Hunt Vital. Le Hunt Vital. Putain. Allez, à toi. Là ouais, mais crème pas le feu, je crois. Défense spéciale, putain. Vas-y, flamèche. Éclair. Aïe, 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 ça fait mal. J'espère que t'as pas plusieurs Pokémon. Voilà, Magikarp, 400. Pokémon Spectre, non. Là, par contre, là, t'as le taxi. Voilà, hop. Ah, et dans la nature aussi, de temps en temps, si tu vois des Pokémon qui brillent. Bon, là, je me suis fait avoir. Je croyais que c'était un Pokémon chromatique, mais non. C'était un Pokémon directement terraformé, quoi. C'était un Miaous, donc je l'ai capturé. Mais il y a des Terra Crystal, ouais, il y a des Pokémon Terra Crystal aussi dans la nature. Par contre, la différence entre les chromatiques et les Terra, je sais pas ce que c'est. Je pensais que c'était un Pokémon Chroma. Mais non. Hop, voilà, super potion. Ça économise. D'aller en acheter. Putain. Le radin. Chromatique. Il y a une couleur différente. Ouais, mais je veux dire, dans la nature aussi, il brille. T'as quand même l'étoile. Donc, comme c'était un Pokémon qui brillait. Mais non. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la couleur. dix-neuf, donc il peut rien faire. Il est quoi lui, je crois. Putain. Il est feu, je crois. Lui, c'est le Pokémon des îles. Ouais, flamèche. Vas-y, cage éclair, gaz toxique. Ah, il est poison, il est feu poison. Ah, il évite l'attaque. Oh, oh putain. Voilà, il est paralysé, donc clash éclair, ça sert à rien. Allez, éclair. Voilà, deux coups. J'aurais pu faire ça avant. Allez, Magikarp, bientôt niveau 20. Donc ça aussi, ça fait chier par contre. Toujours aller
au centre Pokémon pour soigner. Donc là, je vais tracer pour aller à l'autre centre Pokémon. Après, je vais revenir sur mes pas. Faire les dresseurs parce que sinon, j'ai jamais avancé en fait. Pourquoi ça brille là-bas? Ok. Ah ouais, le centre Pokémon, cool. Il tourne? Il tourne. Ah putain. Est-ce que toi, tu peux le grimper? Non. Allez, c'est parti, l'autre centre Pokémon. Je vais essayer de faire la deuxième arène. Si je peux. Ça, c'est pas l'arène aux olives que j'ai faite là-bas, en bas, je crois, ouais. Donc toi je t'ai combattu, il pleut. Oui je crois... Attends. Regarde ce qu'il y a. Hop, de l'huile. Ça c'est pour les pépés. Ah, il n'y a pas de temps de chargement, on rentre direct. Ah, il y a même lui. C'est un dragon, lui, en plus. Oh, putain, trop cool. Ah, je vais venir là, je vais tous les capturer. Ah, ouais, il me faut ce dragon aussi. Trioxyde. Non, là, je peux pas sauter. Ok, là, en plus là, il y a, comment ça s'appelle, le petit Carmage pour faire Karchakrok. C'est quoi comme c'était? Abri. Je l'avais déjà, je crois. Oh! Ok, l'évolution. Ah, stylé! Le petit, ah ouais. Qu'est-ce que c'est? Ça existe vraiment ça? Allez. Waouh. Car. Merde. 41. Fuis! Alors que j'entraîne mon Magikarp. Eh ouais, mais ils sont trop hauts alors. Ah merde! Ils ont changé, il n'y a plus le dragon. Merde. Ok, donc là, je peux pas venir. C'est trop puissant. Hein. 41. Par contre, comment je fais pour aller en bas, alors? Comment je fais pour aller là?
Tu vas pas me dire qu'il va me falloir le type vol? Bon, je vais voir. Que je continue vers le nord. Voilà, les directions le sud. Je file. Ok, à tout à l'heure. Est-ce que je peux le passer lui? Bug. Voilà. C'est vrai que là, il gagne plus rien, n'empêche. Il gagne plus rien. Ah, Pokémon de type feu. C'est un cochon, ça? Changer de Pokémon. Feu. Non, j'ai pas de truc. Je me dis rien, ce Pokémon. Ah, Pokémon cristal. Miaous. Je l'ai déjà. Est-ce qu'il peut le sauter? Pokémon de type eau. Non. Il peut pas, zone 4. Non, il peut pas. Ah, j'ai pas réussi à le prendre. Ah, il y avait un raid de spectre. Un Pokémon. Hey! Charge! Putain, mais son charge. Morsure. Charge. Vas-y. Essaye de battre au moins
un seul Pokémon dans ta vie. Il peut pas. Voilà, 19. Ah, il y a du monde. Voilà, parfait. La zone 4. Voilà. Attends, tu vois là, mais... Non, je vais jamais y arriver en fait. C'est là où je suis venu en fait. Ça, c'est le début, ça. Ça, c'est chez moi. Voilà, ma maison. Je suis là. Non, je vais jamais y arriver. Attends, là, t'as un dresseur. Dragon. Hey. Tu l'as haut. Éclair. Allez, bélier. Ouch. Allez, Pokéball. Qu'est-ce que tu vas me dire? Go! 3. Alors, niveau 22. T'as 4 bons dragons là! Il est ténèbre, lui. Stockage. Ça va augmenter sa défense. J'augmente ma vitesse. Voilà, la défense, elle baisse. La mèche. Aéropique. Paf. Voilà, 22, l'énergie.
Vas-y, hop. Poképoupée. Deux poképoupées, ok. Ça, c'est quoi, ça? Ok, t'as même Bambi. Alors, lui, je l'avais pas vu. Tiens, ça fait un moment que je l'utilise plus. L'eau fraîche. Poképoupée, qu'est-ce qu'il y en a des poképoupées? Je vais revendre tout ça. Voilà, DB. Ah, j'ai vu juste... Oh! Hey! Ruse. Voilà. Impeccable. Kukrich. Aïe aïe aïe, Magikarp. Allez, j'ai bientôt Léviator. Oh, il y avait Marill. Ah, Hyperbole. J'espère qu'il va pas être KO. Tu t'es surpris? Qu'est-ce que je te dise? Vas-y, cage éclair. Souplesse, c'est bon. Tu résistes. Critique qui fait mal celui-là. Allez, vas-y, Pokéball, go! 2, 3, let's go! Allez, normalement, j'ai Léviator. Marill capturé. Voilà, Léviator. Allez, Marill, Ghetto Dazé. Au fait. Fais voir comme ça donne. Waouh! Voilà, il va prendre morsure. Magikarp, Léviator. Non, c'est pas ça. Alors, résumé. Vas-y. Là, on va s'amuser. Maintenant, on rigole plus. Pokéball.
Allez, toi t'es de la glace. Ou t'es dans. Toi t'es l'eau, je crois. T'es l'eau. Changer de Pokémon. Allez, l'autre il s'est barré. C'est vrai, j'avais l'énergie. Ok, KO en un coup. Bizarre pour un Pokémon O1, hein, moi je le vois plutôt plante lui. Capturer. La croquine. Voilà, c'est un Pokémon plante. Ah oui, parce qu'il est Terra. Un terrain devient haut. Oh, je Fla bébé. Allez, morsure. Paf, Léviator, comme il est grand. Paf, ce n'est pas très efficace. Charge. Ah. On rigole plus là, maintenant que j'ai les Léviathan. Tu n'as pas un autre Fla bébé par hasard? Le bleu. C'est vrai qu'il y avait plusieurs sortes de Fla bébé, putain. Allez, premier charge. Rune protect. Pokéball. Go. Ghetto das de... Ah ouais. Ah non, non, non. C'est vrai que lui, il est fait en fait. Il n'est pas plante, il est fait. Ah, pour Fla bébé.
Morsure au niveau 23. Je pensais que ça allait résister. Il est électrique. Mais des attaques haut. Non, Riolu. Sérieux. Evoli. Putain, Léviator, il gagne rien. Sac. Les calcinations. Ah, c'est vrai. Putain, qu'est-ce qu'il est là, ce Pokémon. Vive attaque, allez, nitro charge. Le Unvital. Tac. Ombre nocturne. Et après, une capacité spectre. Lanceur invoque un mirage et inflige des dégâts égaux au niveau du lanceur. Ah, il est feu spectre. Le gamin. Donc là, Chariolu. Ténifix, si j'ai bien vu. Le type vol. Ah, il y a une CT, un sécateur. Chambre humeur. Ah, il est haut, lui. De toute façon, je vais me prendre... Hop. Allez, l'énergie. C'est quoi comme tentacule cruel qu'il a? Le bim vert est dégueu. Voilà. L'autre, il est parti, je sais pas pourquoi. On était 4.
Allez, Pokéball. Voilà, et Caillon. Non. La boîte à PC. Hop, et Caillon, 333. Il n'y a plus de temps de chargement, ça c'est trop bien ça. Ah! Regarde-moi ça. C'est le deuxième. Le deuxième pieu sinistre. Se désagrège. Ok. Sombre bol. Mais c'est par où qu'il faut aller en fait? Allez, Pokéball! Go! Ah putain, lui va me faire chier. Pokéball! Pokéball, j'ai dit. Pokéball. Bon, allez, Super Ball. Puisque tu insistes. La Greek note. Bon, adieu. Je sais pas quitter toi, mais allez, Pokémon plante. Hop. Greek note. Ghetto d'Azé. Allez, Umbrilex. Umbrilex.
Je m'en rappelle plus, il est de quel type exactement? Sol et roche, putain merde. Sol et roche. Donc il craint rien de tout ça. C'est bon. Allez, Pokéball, go! Qu'est-ce que tu fais? Super Ball, go! Quoi? Tu es sérieux, même avec la Super Bowl? Aïe aïe aïe! Voilà, statique! Allez, Super Bowl! Heureusement qu'il a été paralysé. Par contre, qui je vais virer là? Il y a trop de bons Pokémon en fait. Je te ferai après parce que j'ai trop de Pokémon de type feu. Mais les spectres aussi. Qui je peux virer en fait? Le PC. Voilà, Umbrilex, Ghetto Dazé. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Allez, fuis! C'est pas ça. Aïe aïe aïe. Je pourrais jamais aller là en fait. Il va me falloir le vol, hein. Allez, coup de bluff. T'as que ça là? Bonjour. Au revoir.
Je suis sûr que là, c'est par rapport au vol qu'il faut venir. Mais j'essaye d'escroquer le jeu. Waouh! Voir Léviator comme il est. Waouh, stylé. Allez, reviens par là. Tu as presque plus de vie. C'est quoi ça comme oiseau? Vais le dragon, l'hippocampe. C'est bien beau tout ça, mais si je fais le tour mais que je peux pas. Je peux pas, donc allez hop, on se casse. Mais je peux pas, tant pis. Ça c'est qui ça? Parfum de légende. Pokémon dominant. Trop loin, ça c'est qui? Voilà, allez, je vais me faire lui. Résumé. Ah non, il est feu ténèbres. Non, il est juste feu. Ok, il est juste feu. Bon, allez, hop. C'est ce qu'on dit. Quand tu en as trop, tu en as pas assez. Allez, hop. Allez, Ambrilex-moi ça. C'est bien beau. Voilà. Pas mal. L'équipe commence à se constituer. Donc, allez, c'est parti. Carte. Comment je fais? Ah ok, là t'as le pont. T'as le pont. Donc j'ai un peu perdu du temps. Je dois l'avouer, mais ça m'a permis de prendre Ambrilex, Grignot, les meilleurs Pokémon. Regarde où il est lui. Ok, c'est un Pokémon qu'on pourra jamais capturer en fait. Voilà, le centre Pokémon, il était là. Il est de l'autre côté pour rien. Allez, discute avec les gens locaux du coin.
Morsure. Charge. Heureusement que tu as fait deux fois vive attaque, sinon tu m'aurais jamais touché. J'ai de pierre. Aucune capacité dispo. Rapid ball. Une Pokéball, mais après je peux plus sauter. Donc hop, on évite. De badette. Tourbissable. Ouch. Drago souffle. L'attaque. Paralysé. Cool. Attends, elle est paralysée et tout, et commence en premier. Allez, tourbissable. Parfait. Forgerette. Forgerette. Let's go, Ambrilex. Forgerette. Ah, c'est lui. Pas très efficace. Voilà, la vitesse. Morsu. C'est un truc de fou. Ce n'est pas très efficace. Allez, éboulement. Ce n'est pas très efficace. Représailles. Coucou.
coup critique. Allez, Umbrilex n'est plus qu'à... n'est plus qu'à au Griffastier. Allez, Calcination. Voilà, les deux types acier. T'en fais pas, t'as bien combattu. Tilton. Waouh, le chameau. Karmash. Ou le dromadaire, je sais plus. Combien il a de boss. Il demande combien lui de combat? 11. Ok. Ah putain, j'ai pas vu. Putain, ça va trop vite des fois. Sac. C'est pas ça. C'est pas ça. Pas ça. Pas ça. Les CT. Ah. Je sais pas. Allez. Il est seul. Bon, tant pis. Faut que j'avance. Parce que là, j'ai pas avancé. Moindre chose. Je fais combien? 2h25 de stream. J'ai quasiment rien fait. Voilà. Maître de la ligue. Ah, il est haut. J'ai que des Pokémon de type feu. Comment on dit? Je suis dans la merde. Ah, on peut pas passer? Ah ok, ouais, c'est Cassiopée, ok. L'un des repères de la Team Star. Déplacement de génie, ça veut dire que tu as accepté de m'aider. Et ça. Nous sommes donc désormais partis d'un seul et même camp. Ça se peut commencer. Allez, Stardust, attendez une minute. Cette opération m'intéresse. Que vous gêne à jour, les amigos? T'es qui toi? Moi c'est Clove. T'es un étudiant aussi? Depuis quand tu nous espionnes? Ah c'est Cassiopée qui espionne? Putain.
Oh, calme, c'est pas la peine de mettre en boule. Je suis un vieux pote. Pas à s'inquiéter. Ha? C'est encore de me faire marcher. C'est bien normal entre potes. On n'est pas là pour s'amuser. Moi aussi, j'ai des comptes à régler avec la Team Star. Ah, c'est une ancienne star? J'en suis sûr, ou alors, je sais pas. Sans vouloir me jeter des fleurs, je pense, je peux vous être utile. Oh, c'est toujours carré, ok. Dupitatif, c'est d'accord, après tout. 3 de 3, bienvenue dans l'équipe. Je te dis, Cimer. Ah, ah. Et c'est ça. Qui tu es juste? Avant, j'étais... Disons que j'étais des liens avec la Team Star. T'as besoin de ça, va. Ok, ça me va. Parfait, je vais maintenant vous expliquer la marche à suivre. Simple, nous devons prendre d'assaut chaque repère de la Team Star. Nous devons vaincre leur boss et mettre fin à leur règne. La Cinza est divisée en 5 groupes. Possède un repère. De là où vous êtes, vous devez voir l'entrée. Ouais. Tout a été bouché. Il se trouve l'un des repères. Ok. Ah, il y a des mini-jeux dedans, comme pour les badges. Et c'est tout au fond de ce repère qui se trouve notre cible. L'un des boss de la... Ok. Les gestes sont tenus de suivre un code d'honneur. Un boss n'a pas d'autre choix que d'affronter quiconque vient le défier en combat. Et s'il perd ce combat, il devra renoncer à son titre de boss. C'est le code qui le dicte. J'envoie une lettre de défi à chaque repère. Je l'ai laissé signer de... Ça veut donc que tu vas venir les défier. Allez mec, ils seront obligés de débarrasser le plancher. Peut-être le groupe finira par se dissoudre. Star disparaître. Mais il y a un souci. Ils sont immenses et abritent des Pokémon de garde dont le rôle est de repousser tous les intrus. Ok. Ah bon, en même temps, les talents, hein, ça veut rien dire. Pour tirer le boss hors de leur tanière, tu dois vaincre les Pokémon. Ok, il faut tout battre. Tu dois t'infiltrer à l'intérieur. Ben rien, il va se tourner les pouces. Ils me connaissent. Je peux dès lors pas agir. Je ne peux dès lors pas agir. Ah non, à couvert, tu veux dire. Soutiendrait à 10. Toi, je sais pas. Je surveille les alentours. Ok. Ouais, bien sûr. On fait le sale boulot, quoi. Temps de passer à l'action. Quoi, non, c'est le proviseur? C'est vrai que... c'est gros ça, mais putain! C'est vrai qu'on dirait le proviseur, putain! Non.
Ah ouais, ça c'est directement la carte. Allez, c'est parti, let's go. Pas si vite. Si, c'est le repère de la team Ténèbres, de la team Star. Ok. Pas les instruments. Ah, alors, oust. C'est ça. Ah, c'est même pas moi. Ta tête est mise à prix. Waouh, pour un jeu Pokémon, ça va vite. Hein. Peut-être bien que oui. Bien que oui, genre. Ça mènera nulle part, tu sais. Du balai, allez, zou. Je tata. Allez, voilà. Allez, c'est parti. Sbire. Cornèbre, super Pokémon de type sol. Allez, éclaire-moi ça. Coup critique. Je l'ai mal fait. 1000. Tellement la honte. Ah, allez, elle se casse. Joindre le groupe, du coup, allez, encore un peu. Quoi? Bon, allez, à toi aussi. Ah non. Il combat pas. C'est te débarrasser des gardes. Si c'est le repère, ouais. Brome. Et un type futé. Ok. Et au bout de tous les Pokémon du ville, se montre. Sonnez le gong pour lancer l'étape suivante. Ok. Alors.
Allez, c'est parti. Est-ce que je peux rentrer en fait? Même beau de dire c'est parti, mais. Attaque spéciale. C'est pas ça, je suis où? Je suis là. Allez, je vais me soigner, parce qu'on sait jamais. Oh, c'est rare. Allez, le défi, c'est parti. Fais bien gaffe, ouais. Utilise R pour envoyer. Ah, ok. C'est ce Pokémon, ouais. Viens me voir. Ok. Les haut-parleurs, un gars complètement inconscient a osé s'introduire dans le repère. Pas à qui l'affaire. Celui de quoi. Et faites la Team Star. Quant à toi l'intrus. Si c'est notre boss que tu veux voir, va d'abord falloir te battre. Que tu battes 30 de nos Pokémon en moins de 10 minutes. Ok. Allez. En moins de 10 minutes. Ok, allez, c'est parti. Ténèbres. Comment on fait? Non. Ah ok, c'est comme ça, c'est un tour de rôle. Je sais pas si on gagne de l'expérience par contre.
Allez. Voilà. L'énergie. Zoroa? Tu es sérieux? Ah, t'en as deux. Les trois. Les Zoroa. Voilà, les trois derniers. On a terminé. On va appeler le boss. Mais non, Brom. C'est en forme, on dirait. Ok, le DJ Darkness, full 2. Technique. Je sais même pas s'il est efficace. Allez, tourbissable. Qui va m'exploser les tympans. Griffacier. Je crois qu'il est à... Ouais, s'il est à... S'il est feu... Voilà. Brûle. Flamèche, go! Voilà! KO! Rombotor! Je connais pas. Le climax! Il faut combattre sa bagnole, mais non. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et il m'a endormi? Bon, allez, je vais le sacrifier. Qu'est-ce que c'est?
Allez, calcination. La défense spéciale. Allez, Terra Morphing. Attaque spéciale. Je vais perdre de toute façon. Les Pokémon sont pas assez puissants face à ça. On va voir Cage Éclair. Là, j'ai utilisé un truc pour rien. Allez, éclair. Allez, sport coton. Ah, il évite l'attaque. C'est mignon, tout ça. Vas-y. Voilà, la défense. Éclair. Ah, 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 il est toujours aussi rapide. C'est même pas un Pokémon. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, calcination. Allez, un petit dernier pour la route. Résiste. Vas-y, morsure. Stridosaur. Ah, ah, c'est pas très efficace. Sans déconner. Vas-y, grimace. Putain. Il nous reste Léviator. Est-ce que j'ai bien fait de faire évoluer Magikarp? L'attaque à la baisse, vas-y. Morsure. Paf! Voilà.
Quelle ironie, ouais. Allez, salut. Une heure et demie plus tôt. Oh putain, le flashback. Quelle ironie, ok. Tim avait notre big boss. Sur plusieurs points. Opération Star. Et ensuite, notre code d'honneur. Ok. On a plus et plus de membres, donc il faut qu'on mette en place des règles. Ça devient indispensable. Le connaissant, je suis sûr que tu as déjà une bonne idée, non? Pas vraiment. Grave la pression. Pas me blairer. Ok. Dire que tu avais un peu abusé sur le nombre de règles. Ah. Manteleur, ouais. Ok. Interdit d'avoir plus de centimètres de longueur de cheveux. Mais qu'est-ce que c'est ça? Bon, allez, on va passer des histoires qui servent à rien. Donc les codes, c'est toi que tu les as mis et t'as perdu avec tes propres codes, voilà. C'est moi qui l'ai écrit ce code. Et donc suivre. Et donc casse-pied, c'est le big boss. Tiens, voilà mon badge. Voilà. Ah, c'était tricherie. Le concept est fini. Pas de rappel, ok. Une chance contre tes Pokémon. Putain, sans déconner, tu me les as tous défoncés. Arrivé à tes cheveux, frérot. Ah, frérot, il m'a dit. J'ai besoin de te parler, frérot. Tu as une seconde. Casser l'ambiance. J'ai de la sorte, vas-y, vous faire envoyer de l'académie. Eh ouais, parce qu'ils font partie de l'académie aussi. Attends, ok. Un camarade. La plus basée de la Team Star. The Boss. La maîtresse en chef pour les dresseurs. On l'appelle Big Boss. Ok. C'est Cassiopée, je pense. Ça fait bien un an et demi qu'on... Ok. Plus de nouvelles. Il est prof. Ah. Il a vraiment laissé tomber. Ah bah oui. Bon, allez, hop. Voilà, fini. Voilà, Mochi Mochi.
Allez, Pendragon. On t'a donc donné son badge team. Ouais. C'est parfait. Tenant que le groupe... Plus de boss, la dissolution est imminente. Bon. J'avais l'esprit ailleurs. Ah, voici ta récompense. Je vais transférer quelques PL sur ton téléphone. C'est 1000! Machine à CT propose désormais CT à fabriquer. Ok. Je vais voir, j'ai ajouté quelques nouvelles CT. Ok. Pour pouvoir apprendre de nouvelles capacités. Ah, cool! J'espère qu'il y aura les meilleurs. Séisme. Tous ces trucs. Mais non, c'est elle qui a chopé? Ah non, mais c'est vrai. Ouais, Pania. Je fais partie, ouais. De l'équipe de ravitaillement. Ah non, de ravitaillement. Putain. Tu m'as sauvé. Ouais, c'est ça. Non, non. Ah bah oui. Manzi, elle était jalouse de ton sac Evoli. Si je fais mon projet ouais, extra-colère, je m'y connais en machine et en piratage. Ah, ah, c'est Cassiopée, putain. Change de nom. Alors j'aide les autres, je travaille en coulisses. C'est elle la big boss de la Team Star? C'est ça ma chasse au trésor, ok. Du coup, tiens, c'est une récompense supplémentaire de la part de Cassiopée. À toi de juger le moment venu. Vous avez reçu plein d'échantillons. Grâce à ça, tu vas pouvoir farmer un tas de CT. Il va te donner une récompense chaque fois que... Ouais. Il paraît que tu es vraiment doué pour envoyer des Pokémon combattre à distance. Ça va. Avec quelqu'un comme toi à nos côtés, l'opération se passera bien, c'est certain. Encore 4 boss. Alors, bonne chance. Voilà, Léviator. Ok. Il me reste plus un seul Pokémon. Hop. Alors, on m'a défoncé toute l'équipe. Donc, une première, il faut combattre maintenant des camions, des voitures.
Voilà, hop. Non, non, c'est bon. Voilà, l'orbe. Donc, on va dire un partout, hein, pour tout, quand même. Premier badge pour la ligue. Premier badge pour le Pokémon dominant. Premier badge pour la Team Star. Ça va, ça enchaîne quand même. C'est quoi ça? Ok, c'est l'électrique. Ah, il y a son évolution. Cool. Voilà, vas-y. Défonce-les tous. Ah, regarde-moi ça, Léviator, niveau 21. Allez, niveau 17. Cette barricade là-bas fait partie de repères. Ça y est, il y en a plus. C'est un étudiant, ça. Ah, ça me fait penser à quelqu'un, ça, Magikarp. Du dragon, dragon souffle. Embroché, je sais plus c'est qui. Ah, c'est un Pokémon embroché. Ah, c'est un nouveau Pokémon haut. Fury. C'est mal. 3. 4. Moi j'en fais toujours 2. Drago souffle. Pourquoi tu commences en deuxième? Voilà, tu es paralysé. Allez, mange-le. Ah non, putain, il a pas encore morsure. Bon, Drago souffle. Drago souffle, Drago souffle, Drago souffle, Drago souffle, Drago souffle. Drago souffle. N'empêche, ils ont pas lésiné sur les centres Pokémon. Qu'est-ce qu'il y en a? Voilà, c'est parti. Je me penche toujours, alors fais voir. Ah, c'est quand j'en fais un. Qu'est-ce que c'est? Bon. Non! Et ce gars-là, lui? Ici, les Pokémon tueurs peuvent se reposer un peu. Et
qu'elle nous rende, elle le mérite bien. Ok. Ah, guerrier-aigle! C'est qui, ça, derrière? Ok, c'est un serpent. Ah, pierre-lune! Ça y est, je peux faire évoluer soit Mélophée, soit l'autre, je sais plus, Mélophée et... Merde, comment il s'appelle? Donphan! Palgren. Oh. Potion max. Mélophée, Mélodelphe. Non, c'est l'évolution, mais l'autre. Ah, Tarin. Nidorino. Nidorina. Avec la pierre lune. Ok, l'évolution du serpent. Ah, là, t'as des ruines. Cool. Par contre, mon point... Voilà, il est là. Attends, hop. Oh, pierre soleil! Sans déconner! Attends, ça, il faut enregistrer tout ça. Putain, c'est trop bon, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est ça? Bon, je sens que je vais me faire défoncer. ...39... Cléopatra, qu'est-ce que tu veux dire? Bon. Allez, Drago souffle. Je sens que c'est un Pokémon de type vol. Cage éclair, si tu y arrives. Cage éclair. Voilà, merci. Allez, Salabada, l'énergie. Un vital. Alors Cléopatra. Tac tac. Allez, vas-y. Allez, aéropic. Paf. Je me fais défoncer. Allez, Umbrilex, go! Éboulement. Ah, il est pas de type vol, il est de type quoi lui? Allez, représailles. Putain, mais il est paralysé! Pourquoi tu attaques? N'attaque pas! Allez, le feu. Je vais voir. Allez, calcination.
Bon, allez, je vais l'essayer. Super Bowl, go! 1. Mais il attaque toute sa vie. Tu es paralysé. Super Bowl, go! Oh! Cléopatra capturée! Ghetto d'Azé! 1400! Que Léviathan! Putain! Il est psy, Cléopatra! Tac! Oh là là, qu'est-ce que ça ralentit? Non, allez, dégage! Pourquoi ça ralentit d'un coup? Ou alors c'est le. Ah, c'est le vin! Ou non, je sais pas. Non, c'est pas le vin. C'est pas le vin! C'est le jeu! Il a mal quand même! Il a mal! Vas-y. Toute mon équipe y est passée. C'est un truc de malade, ça. Allez, à bientôt. Hey! Oh, aïe, aïe, qu'est-ce qu'il est puissant! Niveau 23! Ouais, je suis niveau 17 aussi. Éclair. Pourquoi je chope toujours des Pokémon aussi là? C'est un truc de fou ça. Allez, Pokéball, go! Ghetto d'Azé. Allez, bientôt 22. Il faut qu'il soit KO pour que je prenne la fuite. Pokémon ne changera jamais. Pokémon ne changera jamais. Alors, j'étais où? Je vais voir si dans le coin il n'y avait pas des dresseurs. Tiens, toi à droite, je vais t'acheter des choses.
Bah vas-y, vends-moi ça. C'est pas ça. Poké poupée, j'en ai 7. Voilà. Ça c'est bon. C'est pas ça. Voilà, c'est ça. Alors, 17 000. Allez, c'est parti. Alors, potion, hyper potion. Vas-y, hop. Voilà, 3 honor ball. Honor Ball. Alors, antidote. Rappel. J'en ai 13. 2000 quand même. Ça fait mal. Réveil, antipara. Non. Non, il n'y a que ça. Alors, ça, c'est quoi? Charme. Crocolam, hâte, Koubou, grimace, non, abri, crogi. Ah, c'est vrai ça pour Léviator, crogivre. De toute façon, je peux pas. Croc de Lixi. Ça, je sais pas. Quoi, Crofeu, il peut pas Léviator? Mais tu te fous de qui? Balayage, bombe acide, puissance 40, puissance 50, c'est quoi? Sur insecte, onde de folie, rafale psy. Bon, rayon chargé, what what? Le deuxième, je sais pas, c'est peut-être Pikachu. Danse flamme. Piste au point. Petit seul qui piste au point. Aéropique. Que poison. Aboiement. Griffacier. Météore. Tire debout. Vent glace. Feuille magique. Zénith. Blabla. Tricherie. Cage éclair au repos. Onde étrange. Quand le silencieux produit des ondes anormales qui enveloppent la cible et diminue beaucoup son attaque spéciale. Champ brumeux. Sol. Je vais voir s'il n'y a pas des dresseurs. Parce que là
Mon équipe, elle est quand même faible. Hein. Faut l'avouer, t'as aucun dresseur. Y a pas des dresseurs peut-être dedans? Avant de faire le badge. Mais non! Non, tout est vide. Hein. Tout est vide. Terra éclate ténèbres. Terra éclate ténèbres. Ok. Ah, oui, lui, je l'ai combattu, lui. Ouais. Donc, je vais voir un peu plus loin. Ouais, je vais essayer de rentrer en ville. S'il n'y a pas des choses à faire, la boutique risque pas. Je garde le pognon pour les Pokéballs. Et donc là, on est entouré de cascades. Ok, Aquaquac. Non, là, il n'y a rien en fait. Je sais pas même. Donc là, je suis au-dessus. C'est quoi ça? Ah, c'est les gants? Et le chapeau? Vire-moi de là. Ah, la reine. La reine est là. Ah, mais pas encore, parce que je suis pas encore au niveau. Je suis pas encore assez puissant. Ah, tiens, le truc là. Le légendaire. Tiens, là, tiens une ville, là. Allez, tac. Ok, je suis sûr que je suis bloqué.
Je vais voir si dans le désert il n'y a pas des dresseurs pour se faire de l'XP. Tiens, lui aussi, non. Il était dans les terres sauvages. Ah, c'est pas ça. Voilà. Pourquoi je peux pas prendre la fuite? C'est un truc de fou, ça. Je crois que là, ils sont trop puissants. 21. Putain, t'es un étudiant, toi? Morsure. Cette vue, c'est un truc de fou. Grimace. Éclair. C'est super efficace. Paf, voilà, 18. J'ai de sable. Ah, j'ai pas vu. Scalpion. L'insecte. Éclair. Taillade. Allez, éclair. Allez, bélier. Ah, mais il est acier. Grimace. Moi je suis paralysé, j'attaque jamais. Allez voilà, niveau 24. Aboiement. Tu es sérieux? Aboiement. Sur ça-ci et baisse l'attaque spéciale de celle-ci. Et ça c'est quoi? Baisse sa défense. Vas-y, aboiement. On aboie. Là, les Pokémon, ils sont trop puissants. Là. En plus, Grignote. Non.
Je l'ai toujours. Voilà. Poussière d'étoile. Ça fait de l'argent. Hyperbole. Poussière d'étoile. Stardust. Ah, il est là, le machin. Putain. Ah, une CT. Pico. Sable doux. Ah, sable doux, c'est pour augmenter les attaques sol. Parfait. À la fourmi. T'as le serpent. Force ajoutée. C'est quoi? C'est quoi comme Pokémon? Ouais, il me charge, sans déconner. Tiens, le pique-nique. Allez, donne-moi des choses. Voilà. Et je veux du soin. Hyperbole. Poudre. Ah, ok, ça redonne. Qu'est-ce que c'est? Lui sauvage? Non, il est sauvage. Le légendaire sauvage. Ah, il y est plus. Il a vite disparu. Ok, il peut pas sauter. Il est là. Allez. Picorno. Vingt-sept. Je vais me faire défoncer. C'est super efficace. Oh, il y en a un autre qui est parti. qu'est-ce que je peux prendre? Allez, cache éclair. Tu
C'est même paralysé, il continue d'attaquer, c'est fou ça. C'est pas très efficace, bien entendu. Mon équipe, elle se fait défoncer. Ok, il a mu. Morsure. Allez, flamèche. C'est vrai, c'est un dragon, putain. Il crème pas le feu. Vive attaque. Super Bowl. Go. Ghetto d'Azé. Niveau 25. C'est quoi ça? Trépignement. Puissance 75. Le lanceur attaque en utilisant sa frustration. C'est une capacité qui a échoué au tour précédent. La puissance est doublée. C'est presque veille de 10 000 ans. Mais c'est passé que Postman porte des êtres humains dans son dos depuis des temps anciens. Dragon normal. Paf! Il va fariguer les psys. Juste voir un truc. Hop, hop, la carte. Pourquoi elle est toujours de l'autre côté, cette carte? Hop, hop. Je suis pas allé là, ok, je suis pas allé là. Je vais voir là à quel niveau ils sont les Pokémon. Parce que... c'est par où? Allez, allons vers l'est. Ok, toi t'es le pique-nique. Oh, Lixi, ils sont là. Nouvel élève. Il fallait aller là, alors. Ok. Donc, j'ai commencé par le plus dur. Il faut croire.
Hey Lixi, niveau 9. J'ai commencé par le plus dur. Allez, fracasse-le, c'est bien. Sauf qu'il gagne pas beaucoup en faisant ça. Allez, à nous deux. Niveau 11. Charge! Par contre, la vue, elle est mal faite. C'est bon, je sais où aller. Voilà. Donc l'arène de type O. Ça sera pour la prochaine fois. Je vais essayer de le battre. Sinon, je sais où aller. Donc j'ai dû commencer par le plus dur. Il fallait aller à l'est et faire tout le tour, je pense, comme ça, et revenir en bas. Puisque cette zone... Elle est où? Elle est infranchissable là. Ça c'est infranchissable. Pourquoi je peux pas y aller? Elle est où? Putain, mais ça. Ça c'est tout en haut. Ça c'est tout au nord. Voilà, là c'est infranchissable pour le moment. Je pense que ça va être le dernier badge. À moins qu'il y a un truc à faire, mais je sais pas comment y aller. En tout cas, voilà, le badge haut. Et après, je vais essayer de me faire le badge... c'est lequel, lui? Voilà, plante. Voilà, tu as elle. Team feu. Oh, un red dragon. Ça, c'est quoi, ça? Voix du maître. Électrique. Ah ouais, il y en a deux d'affilée là. Parfum de légende. 3. Dominant roche. Donc voilà la prochaine fois. Hop. Donc voilà pour ce live. Pour ce let's play. Donc merci à toi Diplo d'être passé. Morty sur Discord. Bien sûr, moi Pokémon, peut-être à demain. Je sais pas si je dessine. En tout cas... Et bientôt midi, je vous souhaite de passer bon appétit bien sûr, et à la prochaine, salut! The land is dying. And the machines are out of control.